On va voir donc Ève, lève-toi de Julie Pétri. L'accordeur, faut le descendre un peu à moins 20 hein, pour être juste. Je vais marquer là. Ensuite, le début, c'est 4 fois la même chose. Hein. Avant d'arriver au refrain. Et après, on fait un sol mineur, éventuellement un la là, après. Mais il reste en sol mineur. Hein. Vers ici, on reprend. Au refrain ici. Deuxième ligne. Dernière fois. Trois. Cinq. Donc au début, les accords c'est Ré mineur, Fa, Si bémol 7 et La 7. Lève-toi de Julie Pietri, Capodastre à la première case. Je crois que j'ai oublié de préciser. On va voir Fidèle de Charles Trenet. Alors je vous mets la version chaque fois au-dessus. Armstrong de Claude Nougaro. J'habite en France de Sardou. Forever and For Always de Shania Twain.
Bon, faut tout voir aujourd'hui. Et From This Moment On de Shania Twain également. Alors j'ai remplacé les vidéos historiques par QSQS. Du coup, on les trouve facilement sur YouTube. Sinon, moi, je ne retrouvais plus les historiques sur YouTube. Alors j'ai fait le numéro 7. Il n'y a pas grand-chose, mais bon, je compléterai après. Une feuille vierge, si vous jamais vous préférez écrire en lettres ou en faire vous-même aussi. Je vous signale que souvent les... Enfin, 8 mesures, le blues c'est en 12 mesures, ça fait 8 et 4, 12. Le jazz c'est en 32 mesures. Le thème, 8 mesures. Le thème, le pont, 8 mesures. Et encore le thème. 4 x 8, 32 mesures souvent. Voilà. L'écriture en français, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En américain c'est C, D, E, F, G, A, B, C. La correspondance. Donc chanson 31. 31-30, donc là je passe rapidement. 29-28, 27-26, 25 Bonaref, 24-23, 22-21, 20-19, 18-17, 16-15, 14-13, 12-11, 10 Patricia Cass, 9-8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Barbara, Sardou, avec 3 chansons en plus, Aznavour, Cabrel, Piaf et Véronique Sanson. Ça, c'est mieux violent.